Alors permettez-moi d'introduire Naïma Charaï. Elle a été, vous la connaissez, la porte-parole de la campagne de Benoît Hamon. Elle est conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine. Elle a été présidente de l'AXE, l'Agence nationale de la cohésion et de la santé. Mesdames et messieurs, Naïma Charaï. C'est bon ? Merci, merci ! Merci Sofiane pour ces mots introductifs. Chers amis, c'est une grande, grande, grande joie de vous retrouver ici sur cette pelouse après des semaines en fait d'absence. Donc je suis extrêmement heureuse en fait de reconnaître beaucoup, beaucoup d'amis que nous avons croisés lors de la campagne des présidentielles. Venant de toutes les régions de France et des territoires d'outre-mer, venant de tous les départements, de toutes les villes, j'ai croisé des amis de Marseille, de Lyon, de Toulouse, d'Amiens, de Lille et bien sûr de Paris et de la région parisienne. Nous sommes ici cet après-midi voilà, pour travailler ensemble, travailler à la refondation et à la reconstruction de la gauche. Nous sommes déterminés, en fait, à le faire, à faire cette reconstruction et cette refondation de la gauche. J'espère et je souhaite que cette journée soit utile, utile à la gauche, mais aussi utile aux Français et aux Françaises, parce qu'ils en ont besoin. Cette journée, c'est le début d'un grand commencement. C'est le début d'une belle aventure. D'une belle aventure avec des citoyens venant de tous les horizons de la famille de la gauche, mais aussi de citoyens et de citoyennes sans appartenance politique qui sont déterminés à reconstruire, à refonder cette belle famille de la gauche. Une gauche résolument écologiste. Une gauche résolument européenne, une gauche résolument féministe, qui a sa place dans le débat public. Et c'est le sens aujourd'hui de nos engagements, de votre engagement ici cet après-midi. Alors, pour reconstruire et refonder cette gauche, nous allons vous proposer tout le long de cette journée plusieurs espaces. Cet espace de la Grande Seine, où vous allez voir défiler un certain nombre de personnalités politiques, des intellectuels, de la société civile, qui vont venir plancher sur un certain nombre de sujets. Trois thèmes vont être abordés sur cette grande scène. La question démocratique, comment renouer le lien de confiance avec nos concitoyens? Comment renouer ce lien de confiance lorsque la gauche même a été dévoyée ces dernières années? C'est de cela dont il va s'agir cet après-midi sur cette grande scène. Il va aussi s'agir de parler du travail et de sa transformation. Donc nous aurons des intellectuels et des responsables publics qui vont venir en fait débattre de ce sujet-là. Nous parlerons bien évidemment en fait d'écologie, notamment sur le procès citoyen qui va se dérouler à quelques pas de là. Donc vous allez assister à un procès citoyen avec des acteurs prestigieux du tribunal, un procureur, un avocat, un juge et des jurés qui vont venir en fait faire le procès de la malbouffe, de l'alimentation, en fait, de cette alimentation qu'on ne veut pas. Et puis tout le long de cet après-midi, il va y avoir ce qu'on a appelé les bar camps, donc où vous allez pouvoir chacun d'entre vous venir collaborer, participer à la reconstruction et à la refondation de la gauche, parce que nous avons besoin de débattre en fait sur le fond. Et cette construction de ce mouvement, elle ne pourra pas se faire sans cette mobilisation citoyenne. Et nous comptons sur vous pour contribuer à cela, au travers de ces barcamps, mais aussi au travers d'un site qui va être lancé à 17h17, bien précise. Donc nous avons besoin de vous pour refonder cette gauche. Benoît Hamon sera là à 17h30 pour une prise de parole où il annoncera un certain nombre en fait de choses et il fera aussi la synthèse
de l'ensemble des réflexions que nous aurons effectuées cet après-midi. Donc on a besoin, comme je vous l'indiquais, d'une gauche européenne, écologiste, sociale, féministe. C'est le sens en tout cas de nos engagements ici et c'est pour ça que je vous souhaite en fait une bonne journée, de bons travaux. Nous sommes déterminés à refonder la gauche, nous sommes déterminés à la reconstruire, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Merci.